Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien, alors c'est Guy du 974, votre serviteur habituel. Hein. Alors, moi j'ai bien parce que les fêtes arrivent en fait. Et là je suis chez mon cousin, mais je ne vous oublie pas et je vais quand même vous présenter ma petite vidéo de Noël. Hein. Faut bien fêter, enfin, faut bien terminer cette année, hein, surtout que la fin du monde c'était une blague, même si je savais, mais voilà quoi. Alors, c'est bientôt Noël, donc je me suis fait un petit sapin et une maison spéciale glace, neige, tout ce qui est en rapport avec Noël, quoi. Et donc mon sapin, il est pas trop réussi. Hein. J'essaie de faire une étoile, des petites boules, mais c'est un peu foiré. Mais c'est pas grave. Alors en fait, le thème de cette vidéo, ça sera une sécurité, si on peut dire ça comme ça, et aussi un endroit pour cacher des objets ou mettre des coffres, etc. Officiellement, c'était la deuxième vidéo de ma chaîne, mais je l'ai supprimée parce que la qualité du micro était mauvaise. Donc là, je vous la refais, mais en meilleure qualité, quoi. Et avant, c'était pas une sécurité. Maintenant, je vais faire en sorte que ça soit comme une sécurité, en fait. Alors. Donc, là, c'est une petite maison tranquille, sauf qu'on peut pas rentrer. Ça ouvre l'enclos. Alors pour rentrer en fait, je vous explique, j'ai fait un petit trou. En fait, quand avec la faux on utilise sur la terre, ça fait de la terre, bah, de la terre spéciale pour planter quoi. Et ça fait des espaces en plus. Parce que attendez, je vous montre. Donc là, vous voyez, si je casse, bah, ça laisse pas de petit espace en fait. Et quand j'utilise, ça laisse des trous. Mais seulement, il faut casser les blocs derrière pour pouvoir voir apparaître le trou. Et après, vous positionnez un wagon en dessous. Attends, je vais quitter le mode créatif pour être sûr, pour vous montrer qu'en créatif, enfin en survie, ça marche aussi. Vous cliquez, vous sortez. Par contre, je me suis pris un petit coup, mais c'est pas grave. Hein. Donc, vous repoussez le wagon sur le rail. Et puis, vous êtes chez vous. Sauf que, désolé, elle est un peu vide, mais bon, on va dire que c'est comme un igloo, quoi, il n'y a rien dedans. J'ai pas vraiment eu le temps. Je décorerai une prochaine fois. Et donc voilà, après pour sortir, bah vous mettez une plaque et une porte. Donc voilà, ça c'était pour la sécurité. Mais ce qui est bien aussi avec ce système, c'est qu'on peut passer dans différents passages secrets comme ça, sans que les autres sachent. Mais on peut aussi faire autre chose que entrer dans une maison. On peut cacher des coffres. Moi, je vous montre ça parce que moi, dans des serveurs Minecraft, en fait, pour cacher mes coffres, j'utilise cette technique et généralement, mes coffres, ils sont pas volés parce que personne, enfin, pas beaucoup de gens utilisent ça, quoi, mais c'est quand même pratique, donc je vous montre. Hein. Je vais casser ma sécurité, par contre. Donc, vous mettez un coffre comme ça. Vous remettez un bloc, moi, c'était la neige, donc la neige. Par contre, il faut laisser un espace, enfin un cube de hauteur en plus, parce que sinon le coffre il s'ouvrira pas. Donc voilà. Et après, par contre, il faut bien le cacher. Attendez. Normalement, c'est fermé derrière. Faut pas. Voilà. Donc vous voyez, il fait noir. Généralement, enfin là c'est un peu visible, mais dans les serveurs, je sais bien le cacher. J'espère que vous arriverez bien à cacher le vôtre aussi. Donc, vous en surveillez. Après, quand vous passez au-dessus, vous pouvez accéder à votre coffre. Et après, vous pouvez aussi traîner avec une faux. Généralement, quand vous sautez sur de la terre comme ça, vous voyez, ça redevient normal. Donc, on peut supposer qu'il n'y a rien. Après, si vous avez une faux, vous l'utilisez. Vous accédez à votre coffre. Donc, par exemple, je dépose ça. Vous sautez. Et voilà, vous pouvez repartir. Votre coffre, il est caché, quoi. Donc, voilà. Bon, ma vidéo elle est un peu courte, mais bon, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour Noël. Je peux peut-être vous apprendre 2-3 trucs en plus. Bon, un petit bonus pour ceux qui savent pas, même si la plupart des gens connaissent, je vais vous apprendre à invoquer des petits bonhommes de neige comme j'en ai dans ma cour. Hein. Merde, pourquoi je prends plusieurs? Il n'y a pas besoin de créatif. Alors en fait, il faut positionner deux et mettre une tête de citrouille. Et puis ça vous fait des petits bonhommes. Et quand il y a des monstres qui arrivent, ben, les bonhommes de neige, ben, ils tirent des boules de neige sur les monstres. Mais ça les fait pas vraiment de dommage. Hein.
Et puis je monte un truc aussi marrant parce que dans mes anciennes vidéos, je vous expliquais, j'ai fait une barrière pour pas accéder au mauvais temps. En fait, quand il pleut, ben ma barrière de vitre, elle stoppe la pluie. Il pleut jamais sur pas ma ville, mais sur ma map, quoi. Enfin, où je fais mes inventions pour l'instant. Sauf pour cette maison, j'ai décidé de faire un trou. Et quand j'active la pluie, regardez, sauf ici parce que ici c'est pas le territoire de neige, mais plus par ici, il y a de la neige qui tombe sur ma maison de neige. Hein. Donc je trouvais que c'était assez sympa. Enfin voilà, quoi. C'est un petit bonus. Hein. Donc voilà, alors pour terminer sur cette vidéo, ben, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, hein, mangez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où peut-être je vous montrerai le serveur que j'ai ouvert pendant ces vacances avec mes amis, etc. Donc à bientôt, c'était Geek du 974.